Bonjour, dans une vidéo précédente, je vous disais que 80 décibels plus 80 décibels n'était pas égal à 160 décibels. Je disais que c'était égal à 83 décibels, mais je n'ai pas fait la démonstration. Il est temps de faire la démonstration. Pour faire cette démonstration, on va partir du niveau d'intensité sonore, 80 décibels. À partir de ce niveau d'intensité sonore, 80 décibels, on va calculer l'intensité sonore. Pour cela, on va utiliser la formule que j'avais donnée, I égale I0 fois 10 puissance L sur 10, avec L ici égale à 80 décibels. Lorsqu'on fait le calcul, on trouve une intensité sonore égale à 10 puissance moins 4 watts par mètre carré. Si je rajoute 80 décibels, ça veut dire qu'en fait, je rajoute une source identique. Mon intensité est donc maintenant de 2 fois 10 puissance moins 4 watts par mètre carré. J'ai mon intensité sonore, je peux donc calculer le niveau d'intensité sonore avec la formule que j'avais donnée, L égale 10 puissance log de I sur I0. On fait le calcul avec la nouvelle valeur, 2 fois 10 puissance moins 4 watts par mètre carré, et on trouve 83 décibels. Cela revient à dire que quand on double l'intensité sonore, on augmente le niveau d'intensité sonore uniquement de 3 décibels. Merci pour votre attention, à bientôt pour de nouvelles vidéos.